Salut, c'est Martouf. Alors, bienvenue dans cette nouvel épisode de l'astuce de Crésus. Donc, le but du jeu maintenant, c'est de faire la lecture de mon immense page, de mon dossier à propos de l'histoire de la monnaie et des systèmes économiques. Et dans cette série, eh bien, c'est le deuxième épisode. C'est là où on entre dans le vif du sujet. Le premier épisode où j'expliquais un peu quelle était l'intention là derrière, on a vu le glossaire des mots, on a vu un petit aperçu général, très 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 général, de petit résumé de tout ce qu'on va voir. Donc ici, on va entrer dans le vif du sujet avec la chronologie. Donc on commence avec l'origine de l'histoire de l'humanité et on va essayer de voir jusqu'où on tient là. Je pense que les grandes périodes des grands empires agraires, des administrations. Donc, l'idée, c'était de faire un état des lieux de qu'est-ce que la monnaie, de là où j'en suis arrivé tout d'un coup, c'était qu'est-ce qu'un système économique. Donc, un système économique, si on reprend les mots, eikos et nomos, économie, c'est quelque chose qui signifie les règles de la maison, ou plus précisément de la maisonnée. Donc, c'est un espace gigantesque. C'est une grande maison, plus les terres qui vont autour, qui nous permettent de cultiver. Et c'est les gens qui vont avec, dont notamment chez les Grecs, c'était oikos, c'est un couple qui gère toute une maison, y compris les esclaves. Et les règles de la maison, eh bien, c'est celles qu'on aimerait pour que cette entité puisse prospérer. Donc ici, eh bien, nous allons voir quelles sont les règles de la maison qui peuvent émerger un peu plus loin. Et pour ça, ben, je suis obligé de commencer par faire un état des lieux. Qu'est-ce qui a existé? Qu'est-ce qu'on en sait sur l'immensité de l'histoire? Donc c'est pour ça que je commence ce document par la chronologie. Et la deuxième partie, ce sera l'analyse, voir les faits saillants. Et la troisième partie, ben, c'est la tranche. On a pile, face et la tranche. Et ce sera tranché. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut maintenant? Qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir? Et ce sera l'occasion aussi de faire quelques petites discussions aussi avec d'autres gens. Donc si tu as des propositions, si tu as envie de venir, j'ai déjà eu une petite proposition. On pourrait discuter ensemble avec plusieurs personnes aussi, si les gens qui veulent discuter monnaie. Mais pour le moment, j'espère faire peut-être une partie chronologique qui va nous mettre d'accord sur ce qui est vrai. Donc c'est la partie des faits, hein. C'est comme toutes ces pièces de monnaie, ben, c'est les faits, c'est la réalité, c'est la partie pile de la pièce de monnaie. Ouh, ça fait un trou. La partie pile de la pièce de monnaie, c'est la partie avec laquelle on ne peut pas tricher, parce que c'est la partie qui indique la valeur. Et derrière, c'est la partie confiance. La partie confiance, bah, la confiance, ça se travaille, c'est pas inné. Et on va le voir comment la confiance, qui est vraiment le maître mot de ces histoires de monnaie et de système économique, comment est-ce que la confiance a pu être ancrée de diverses manières au fil du temps. Donc là, on va commencer directement dans le vif du sujet avec. Ici, j'ai mis un petit aperçu en 6 photos. Donc, il y a le bat, qui est une ancienne monnaie vaudoise du canton de Vaud en Suisse, il y a 200 ans. Donc, on a les pièces de monnaie. On a aussi les tablettes d'argile, plutôt sumérienne. Et là, ben, c'est une manière de créer de la monnaie. C'est de la monnaie scripturale. C'est la plus vieille forme de monnaie qui existe. On a le bâton de comptage, qui est un truc très intéressant, qui est un système de comptabilité officiel en France jusqu'en 2016. Oui, 2016. Personne ne le connaît parce qu'en général, le bâton de comptage enregistre une dette et quand la dette est effacée, ben on le brûle. Et donc, ça disparaît. Et même si on les abandonne, ils ont tendance à disparaître, contrairement au métal qui dure plus longtemps. Ensuite, il y a les billets de banque qui sont très connus. Il y a l'américain, le chinois, là. Et ça, c'est une reconnaissance de dette aussi. Donc actuellement, ça paye avec des reconnaissances de dette tout le temps, donc du crédit d'une certaine manière. Et on voit le crédit bancaire, une affiche d'une banque. Et c'est tellement dématérialisé que c'est très difficile à représenter, donc c'est dû montrer une publicité. Et ensuite, la maison longue de type Huron, celle-là a été reconstituée, c'était il y a un bon millier d'années, mais en fait, c'est un système, le système premier, c'est espèce d'immeuble version communauté ou immeuble allongé. Chaque famille a une tranche de l'immeuble et dedans on fait une communauté dans une communauté, une
du don dans une communauté de confiance. Tout le monde va faire une production. Et ensuite, c'est les femmes qui allouent les ressources à la communauté. Donc là, on a déjà un très bref aperçu de plein de manières différentes de faire la même chose, l'économie, gérer les règles de la maison. Alors, si on continue, on va reprendre directement. Quand est-ce qu'on commence? Eh, vaste question. Alors, je me suis dit, bon, ben, est-ce que je vais tout faire? Non, peut-être pas tout, mais quand même. Donc, je commence il y a 2,5 millions d'années. Bon, il faut qu'il y ait des humains, en fait, pour ce que ça nous intéresse. Et les humains, ben, quand est-ce qu'ils arrivent? Il y a le genre Homo. Il y a plusieurs genres, plusieurs sous-espèces du genre Homo. On en découvre encore de plus en plus, comme l'Homo florentiensis, l'Homo luosensis, l'Homo denisovensis et l'Homo néandertalensis, les néandertaliens qui sont un peu plus connus, qui occupaient une vaste partie de l'Europe. Et ben voilà, alors je mets 2,5 millions d'années parce qu'il semble que c'est là que le genre Homo est apparu. Mais bon, c'est très difficile à savoir, les lois de la maison, l'économie, est-ce qu'ils en faisaient ou pas, j'en sais rien. Et c'est surtout l'Homo sapiens qui va nous intéresser, nous-mêmes, et qui est le seul du genre Homo à exister encore actuellement. Donc l'Homo néandertalis, il se trouve que pas loin de chez moi, il y a la plus vieille mâchoire d'une femme néandertale qui a été découverte, l'une des plus vieilles de Suisse, qui date d'il y a 70 000 ans. Donc c'est encore assez récent même. Et il y a 300 000 ans, il y a un nouveau Homo sapiens qui a débarqué là. Et c'est un petit Homo sapiens, bah, apparemment par rapport à d'autres animaux, il n'est pas du tout autonome à la naissance. Donc les humains sont pas finis en fait. Et donc ce qui est très embêtant, c'est qu'un humain, quand il à la naissance, bah, il doit encore grandir un moment pour pouvoir être autonome. J'ai eu l'occasion de voir il y a quelque temps là. Pas longtemps, la dernière saison, des agneaux qui naissent, et ces petits agneaux, pouf, ils sortent, ils sont sur leurs pattes directement, ou presque. En tout cas, le deuxième jour, ils sont prêts à courir dans les champs. Et on ne voit pas vraiment que c'est des agneaux qui sont nés le jour avant. Ils sont vraiment tout, tout petits, mais en fait, bah, ils savent déjà tout faire, ou presque. Donc on voit qu'ils vont grandir encore, mais c'est assez fou parce que nous, hein, en tant que pauvres petits humains, à la naissance, on ne sait vraiment rien, rien, rien faire. Et c'est là que ben, la communauté est absolument nécessaire. Les parents sont monopolisés. Donc, on a vraiment de la chance de vivre en communauté parce que sinon, les parents ne peuvent rien faire. Donc, les enfants, à la naissance, ben, il faut vraiment des structures d'accueil pour les enfants. C'est une vaste discussion dans notre société aussi. Il y a le modèle traditionnel de la maman qui reste à la maison et du papa qui va travailler à l'extérieur pour ramener plein d'argent. Et en fait, ben voilà, il faut des structures d'accueil pour les enfants pour faire quelque chose parce qu'ils savent rien faire. Et pendant déjà encore, il semble les 4 premières années de la vie, ça pose un peu un problème parce qu'ils ne se déplacent pas assez vite aussi, notamment pour les nomades. Et les premières communautés sont des communautés nomades. Ces humains sont des nomades. Donc c'est ce qui pourrait expliquer qu'en fait, l'humain n'étant pas fini, il doit avoir besoin de ses semblables et besoin de vie en communauté, et ce qui implique des règles de vie en communauté. Donc c'est là qu'il y a les premières règles. Mais ben, une grande question, c'est de savoir, mais d'où ça vient en fait? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de... Pourquoi est-ce qu'on n'est pas fini quand on a la naissance? Alors ça, c'est une question, on n'a pas vraiment la réponse, mais il semble que le bassin des femmes a tendance à se réduire toujours plus, notamment dû à la posture verticale de l'humain. Alors voilà, on a une évolution qui va dans ce sens-là. Posture verticale, un bassin qui se réduit, et finalement, si le bassin se réduit, ça pose des problèmes à la naissance, c'est compliqué. Et d'autant plus qu'il y a une autre évolution qui va vers la taille grandissante du cerveau. Donc si on a une tête qui devient de plus en plus grosse et un bassin de plus en plus petit, au bout d'un moment, plus possibilité de faire une naissance. Ça ne sort plus. Et quand il faut faire une césarienne, bah à cette époque-là, en moins 300 000, ça n'existait pas. On peut faire des conjectures sur l'avenir, est-ce qu'on doit généraliser la césarienne? Peut-être, parce que ça passe plus. Si on a un cerveau toujours plus gros. En tout cas, il y a un sens. Alors, selon la théorie darwinienne pure, il n'y a pas de téléologie, donc il n'y a pas de sens. C'est du pur hasard, et ça s'évolue dans ce sens-là.
Mais j'avais quand même entendu une orthodontiste qui disait qu'il y a une vraie tendance à ce que nos mâchoires sont tendance à se réduire de taille. Et on a un cerveau qui a quand même une tendance un petit peu à grandir. Mais surtout les mâchoires, là, elle nous parlait de ça, c'était assez impressionnant en fait. Il y a un vrai sens à cette évolution, et ce qui n'est pas corroboré par la théorie darwinienne. Donc peut-être une téléologie, il y a peut-être un sens. Et la finalité, ben, c'est la tête du petit gris extraterrestre, hein. La grosse tête et puis la plus petite mâchoire pour juste mettre une paille. C'est peut-être ça, c'est des gens du futur qui viennent, ces petits gris, peut-être tout ça, qui n'ont plus de poils. Parce que ben, les poilus de l'époque, voilà, ben, on a de moins en moins de poils, ils ont tendance à disparaître, on n'est plus les grands gorilles. Hein. Si on regarde les petites représentations de notre Homo sapiens du début, ou les Homo néandertalis, ben voilà. Bref, tout ça, je m'égare, c'est pas le même sujet, mais c'est très intéressant, et justement, c'est nécessaire à comprendre. Donc on a un besoin de communauté pour les humains, c'est ce qui expliquerait que l'humain est communautaire. D'autres animaux ne le sont pas, par exemple les lynx qui habitent autour de chez moi. Eh ben, les lynx, ils se voient juste pendant la saison des amours en couple. Ils font ce qu'ils ont à faire ensemble. Il y a des petits qui naissent quelques mois après, mais c'est la maman qui s'en occupe toute seule. Et le papa lynx, il ne se revoit plus. Peut-être qu'il se revoit quelques années après pour refaire des petits. Mais ils sont très très solitaires, les lynx. Alors que les humains, ils vivent en grotte ensemble. Alors, si on veut prendre les grandes théories, ben, c'est il y a des milliers d'années. Version anthropologue, donc les gens qui étudient les comportements humains, les anthropologues nous disent tout commence avec le don dans une communauté de confiance. C'est notamment David Graeber et son bouquin Dead 5000 ans d'histoire où il nous raconte tout ça. Donc les humains, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils donnent aux autres, à la communauté, quand on a, et on reçoit des autres quand il y a. Alors, il y a encore des gens qui disent oh, quand on est dans le besoin. Non, ça c'est déjà un filtre. Quand on est dans le besoin ou pas. Alors, si je vais chasser une grosse bête, quand j'ai pas de frigo, je donne à toute la communauté et je stocke dans le ventre de mes camarades. Et quand eux vont aussi chasser, eh ben, hop, ils me donnent à manger. Et avec ça, ben, chacun a tout ce qu'il faut tout le temps. Alors en fait, il n'y a pas besoin d'être anthropologue, mais il suffit d'observer les comportements qu'on a avec sa famille et ses amis. Les comportements financiers entre nous sont assez minimes. Et je ne connais pas de famille dans laquelle les parents envoient la facture à leurs enfants. Bon, tu as 18 ans, maintenant tu me rembourses les 60 000 balles que tu m'as coûté depuis ta naissance. Pas que ça existe, mais j'ai jamais vu ça personnellement. Donc on est vraiment dans le don. Les parents donnent à leurs enfants, donnent plein de choses. Voilà. C'est un don qui est presque inconditionnel. Et c'est là qu'il y a des gradations dans le don. Et c'est ça qui est super intéressant. Alors, je m'étais amusé à faire un petit schéma pour voir comment ça fonctionne. Il y a une espèce de taux d'oubli aussi. Et on n'est pas du tout égaux face au taux d'oubli. Alors, là, j'ai fait mon petit graphe. Alors, j'établis tous les systèmes économiques, que ce soit du don ou autre chose. Donc, ça s'articule sur un axe horizontal. Nous avons la peur d'un côté et la confiance de l'autre. Alors j'ai mis peur du manque, peut-être. Peut-être du manque, mais peut-être d'autres peurs aussi. Mais principalement peur du manque. J'ai besoin de ressources, il faut absolument, je ne les ai pas. Et là, ça devient tendu. Quand il y a peu de ressources, il y a des gens qui se battent. Et ensuite, on a la confiance. C'est l'axe opposé, une confiance totale. Je sais que la vie est là pour me fournir tout ce dont j'ai besoin. C'est là que ben, j'avais organisé un jeu de la monnaie une fois avec des gens très sympathiques. Et eux, ils étaient vraiment, mais je te donne tout, vas-y, t'as pas les cartes, hop, tiens, de toute façon, l'univers me les rendra dans l'autre sens, d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui ont vraiment cette philosophie de vie, l'univers va me les rendre. Alors il y en a d'autres pour qui c'est la religion, un peu plus c'est la foi, je sais que Dieu pourvoira. C'est d'ailleurs ce qui est écrit sur les pièces de 5 francs suisses. C'est marqué Deus providebit, qui veut dire Dieu pourvoira. Donc il faut avoir confiance que tout va toujours bien se passer, que la vie, si on agit dans le sens de la vie, elle est à notre service. Et on sera favorisé si on agit dans le sens de la vie. Voilà, bah, c'était les croyances de chacun. Alors il y a des gens qui ont peur, puis il y a des gens qui ont confiance. Et dans ces axes, bah, en fait, on a un délai de retour dans le don qui est très différent. Alors le soleil qui nous donne son amour inconditionnel, ou presque, qui nous donne sa lumière qui nous donne tout,
toutes les formes d'énergie, ou presque, que nous utilisons, elles viennent du soleil. Les plus faciles à voir, c'est les panneaux solaires. Directement, ça chauffe, ça fait du photovoltaïque, c'est de l'énergie solaire. Mais le pétrole, c'est aussi une énergie solaire, c'est de la photosynthèse fossilisée d'il y a plusieurs millions d'années. Le gaz, c'est pareil. L'éolien, c'est pareil, c'est le soleil qui nous fait des différences de température dans l'air et qui du coup génère des flux d'air, de vent et tout. Alors après, le nucléaire, on peut discuter effectivement, là, ça n'a rien à voir. Mais la plupart des formes d'énergie qu'on va utiliser, le bois, la biomasse, le gaz, le pétrole, tout ça, c'est en fait l'énergie du soleil. Ils nous ont donné ça et je ne crois pas qu'ils en attendent en retour, mais ça reste à discuter. Donc là, il y a un délai de retour infini. Peut-être qu'il y a un délai de retour, mais en tout cas, je ne le connais pas. Et à notre échelle, il n'y est pas. Donc, il donne, il donne, il donne, il donne. C'est vraiment du don inconditionnel. Et à l'opposé, on a le troc. C'est le délai de retour immédiat. Donc, je te donne un truc, mais en échange, tu me donnes donner un truc tout de suite. C'est ce qu'on voit directement dans les films avec la mafia. Il y a des gens qui ont pris en otage pour une histoire de trafic de drogue, il y a une mallette qui se balade avec la drogue ou des billets. Et puis il y a des otages de l'autre côté. Ils doivent faire l'échange. Alors ben voilà, j'ai aucune confiance dans cette personne, aucune des deux parties. Donc si je vais dans un sens puis qu'il y en a un qui se met en infériorité, tout d'un coup, la confiance, c'est pouvoir se mettre en vulnérabilité face à l'autre. Être vulnérable, quand c'est quelqu'un en qui on n'a pas confiance, on ne peut pas se mettre vulnérable. Donc il faut vraiment que ça se passe dans l'instant et tac, tac, c'est bon. Et en général, le premier qui éternue, quand tout le monde a un flingue, tout le monde est mort. Donc je dis, le troc, c'est ça, le troc pur et dur, pouf, c'est un délai de retour immédiat. Je te donne un truc, mais tu me donnes un truc. Et c'est ce qui se pratique quand on ne connaît pas les gens, quand on n'a aucune confiance, quand c'est des ennemis, mais qu'on est obligé parce qu'ils ont des ressources qu'on a vraiment besoin, là, on a un délai de retour immédiat. Le troc. Et entre deux, il y a d'autres choses. Alors j'ai mis le cadeau. Le cadeau, c'est intéressant, hein. Si je fais des cadeaux aux anniversaires des gens, est-ce que c'est parce que c'est un don inconditionnel ou est-ce que c'est peut-être parce que, en fait, j'aimerais bien avoir en retour aussi un cadeau pour mon anniversaire ou avoir un lien social, avoir quelque chose comme ça. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ce cadeau, c'est le cadeau Noël. Si je fais pas le cadeau de Noël à quelqu'un, je vais être exclu, peut-être. Il y a l'équipe des gens qui se font des cadeaux de Noël entre eux, puis ceux qui font pas cadeau, ils sont en dehors. Voilà, ça c'est les cadeaux de Noël. Et puis après, je peux faire des cadeaux à mes voisins. Ah, je te donne ça, je te donne ça. Avec peut-être une arrière-pensée que si je te fais un cadeau maintenant, si une fois j'ai besoin d'un de tes services, tu vas dire, ah oui, je t'ai déjà donné quelque chose, donc par réciprocité, je vais te le redonner. On verra que la réciprocité, c'est quelque chose qui est très important dans la psychologie humaine. Donc le cadeau, suivant les gens, c'est un cadeau intéressé. Puis suivant d'autres gens, il y a des gens qui adorent faire des cadeaux. Et c'est parce que eux, ils existent comme ça. En fait, ils se font un cadeau à eux-mêmes. Ils se font un cadeau à eux-mêmes parce qu'en fait, ils se font du bien. Ils se font, ils se voient comme une bonne personne qui donne, qui est généreuse. C'est peut-être ça. C'est sur un autre plan qu'ils reçoivent. Et il y a carrément même des philosophies et des religions qui instituent le cadeau. Il faut faire un cadeau. Il y a aussi des petites astuces. Par exemple, le cadeau, c'est pour quelqu'un qui est au-dessus de nous. Donc, Grébert parle dans son livre aussi du roi à qui on fait des cadeaux. Il y a des gens, si on est sur un pied d'égalité, on peut se faire des dettes. Ça marche. Mais le roi, c'est une autre catégorie avec qui on ne pourra jamais être sur un pied d'égalité. Donc, comme on ne pourra jamais être sur un pied d'égalité, eh ben, on lui fait des cadeaux et il sera obligé de nous rendre aussi tout autant, voire plus. Donc, avec ça, il y a des gens qui se collectaient le maximum de ressources collectivement pour faire un cadeau au roi pour qu'il redonne plus que ce qu'on avait tous mis collectivement ensemble, ce qui fait que ça permettait d'avoir un peu d'argent supplémentaire, des richesses, des ressources. Bon, ça, c'est peut-être une idée. Mais là, alors, moi, je pensais, par exemple, il y a l'aumône, la charité. Dans l'islam, il y a la zakat. La zakat, c'est un des piliers de l'islam. C'est 2,5% de ces ressources financières qui doivent être redistribuées à quelques catégories de personnes.
les pauvres, les indigents, les voyageurs, les endettés, les fonctionnaires. Donc, c'est celui qui il fait des cadeaux, mais en fait, c'est un cadeau religieux. Parce que, en fait, tout ce que je donne maintenant, je vais le recevoir, mais dans un autre monde. J'aurai pour moi le paradis. J'aurai pour moi la vie après la mort. Mais seulement si je suis un gentil, seulement si je suis les règles de la maison, les règles ici de l'islam, la soumission, c'est ce que ça veut dire. Alors, ensuite, il y a des grandes théories diverses et variées. Qu'est-ce qui se passe quand une communauté grandit? Quand on est dans le don, dans une communauté de confiance, quand je vais boire des verres avec mes potes le samedi soir, comme maintenant, on est tous là ensemble, hein, on ne boit pas des verres là. Et ben, quand je vais au bar, je paye la tournée. Alors, je ne paye pas la tournée à tout le bar, mais je paye la tournée à mes potes. Donc, il y a déjà une sorte de communauté de confiance. Parce que déjà, je n'ai pas la mémoire de tout le monde, puis il y en a que je ne reverrai jamais, puis là, ben, je sais. Et on va commencer à se poser des questions. Alors, il y a peut-être l'ardoise de bar aussi où je peux enregistrer des choses. Et on va commencer à inventer une forme de mémorisation. Alors, ça s'observe aussi dans la vaste histoire de l'humanité. On va enregistrer par exemple, sur des petits calculis ici. Il y a des jetons de comptabilité en terre cuite à la période d'Uruk, donc c'est chez les Sumériens. Mais il y a aussi des nœuds, des encoches sur les bâtons de comptage, des jetons d'argile, et les cordes avec des quipous. Les quipous, c'est super intéressant et totalement méconnu. Un quipou, c'est des petites cordelettes. Alors, c'est des cordelettes sur lesquelles on fait des nœuds. Et il y a toute une façon codifiée de faire ces nœuds qui fait de la comptabilité. C'est un enregistrement. Et on soupçonne que ce soit même une forme d'écriture qui permette de dire des choses. Et il y a peut-être encore beaucoup de choses à exprimer. Tout autour du Pacifique, il y a ça. Donc là, on va revenir à l'invention de l'écriture. C'est à peu près ça. Parce que quand j'ai plus de mémoire et que je fais plus confiance à mes potes, je vais écrire. Mais alors ça, c'est déjà un grand saut, hein, parce que si je reviens à mes potes avec qui je vais boire des verres, dans la confiance ou pas la confiance, ben, si je vais boire des verres, si c'est pas important, ben, souvent je me dis, bon, ben, là j'ai mon pote Roger avec qui je sais que je lui dois au moins 2 bières. Et puis, c'est comme chez les Tives au Niger, quand on arrive dans la communauté, ils nous donnent quelque chose tout de suite en disant, oh, c'est génial, mais en fait avec ça, ils nous créent un lien social, et ce lien social, on ne peut pas en sortir, parce qu'on a une dette. Et on a cette réciprocité qui est très ancrée dans l'humain, qui veut pouvoir se mettre à égalité. Donc je sais que Roger, je lui dois 2 bières. Alors il va falloir que j'aille boire des verres. Mais je ne peux pas lui rembourser 2 bières. Parce que comme chez les Tives au Niger, on ne peut pas être à égalité. On ne peut pas effacer sa dette. On doit faire soit juste en dessous, non, 1 bière, ou soit au-dessus, 3 bières. Alors il faut que j'aille boire des verres avec lui. Mais je crois que ça fait quelques années que je n'ai pas vu Roger. Et apparemment, on a un taux d'oubli aussi qui fait qu'à la longue, ben c'est annulé comme dette. Donc il y a une forme d'annulation. S'il y a des gens qui disent « Oh, c'est oublié, c'est trop vieux, je m'en fous un peu », voilà. Tandis que si on fait affaire juste maintenant, la semaine d'après, c'est encore très très vif. Donc avec mes potes avec qui je vais boire des verres, ben, ceux qui payent la tournée, on tient cette comptabilité. Et au bout d'un moment, ben, on va peut-être finir par l'abandonner. Donc il y a ce taux d'oubli aussi qui va avec. En plus du délai de retour. Alors, il y a des gens qui ont un délai de retour très très long, et ça se colore avec le taux d'oubli, on tendance à tout oublier. Et quand on l'a plus, ben, on a ces espèces de petites marques sur de l'argile. La région de la Mésopotamie, ça veut dire entre deux fleuves, il y a des fleuves, il y a beaucoup d'argile, et c'est facile d'avoir ça pour écrire des choses. Donc, bonne idée. Donc, on va parler un petit peu de ça. Ça, c'est les premières traces archéologiques qu'on a. Avant, c'est beaucoup de suppositions d'anthropologues de voir comment on fonctionne maintenant aussi, pour savoir comment est-ce qu'il pouvait bien fonctionner il y a longtemps. Donc, toute cette histoire, on est en moins 4100 à moins 3300. C'est ce qu'on appelle la période de Uruk en Mésopotamie. Donc, c'est un système de comptabilité. La compta, c'est vieux. Et c'est justement pour créer la confiance. Alors, les petits cailloux. Caillou, hein, ça se dit en latin calculi, des calculs, les calculs rénaux, c'est ce qui nous reste, les calculs biliaires, les calculs rénaux, ben c'est des cailloux. Donc voilà, quand tu fais des calculs, en fait tu fais des cailloux. Et c'est issu un peu
du berger qui devait compter. Et il me mettait dans un petit bol ben, un caillou chaque fois qu'un de ses moutons rentre dans le parc. Et chaque fois qu'un mouton y passe, poc, poc, je rajoute un caillou. Et comme ça, j'ai compté mes moutons. Puis ben, quand ils ressortent, je ressors mes cailloux. Et c'est une manière simple de compter le nombre de cailloux. Combien t'en as? Eh bien, comme ça. Voilà. Et puis, on a commencé à utiliser la même chose pour pouvoir bah, faire des calculs avec des transporteurs, des cailloux, voilà, pour pouvoir s'assurer dans la comptabilité des différents des transporteurs. Par exemple, si je veux transporter du blé, si je veux transporter de la bière, j'ai pas envie que mon transporteur il se serve. Et entre le premier et le dernier, il y a peut-être une longue distance. Donc à ce moment-là, il va falloir que je sécurise tout ça. Donc il y a une espèce de manière de mettre ces petits calculs dans une boule d'argile que je ferme. Et cette bulle enveloppe, ben, ça permet ensuite de sécuriser la chose. J'ai des petites bulles enveloppe. Voilà, là, il y a une jolie image. Une bulle enveloppe. Donc ça, c'est super pratique. En fait, je prends ces petits calculs, ces petits cailloux d'argile, et je les mets dans une grosse bulle. Et le transporteur, ben, il sait déjà pas ce qu'il y a dedans, donc il ne peut pas tricher, il ne peut pas enlever une partie, puis ça indique combien de jarres qu'il transporte, quelles sont les quantités. C'est une bulle enveloppe. Et à la fin, ben à la fin j'ouvre l'enveloppe, puis je regarde combien il doit avoir de calculé et combien je devais avoir de transporteurs, enfin de marchandises, et puis je peux vérifier que le transporteur n'est pas volé. Alors, c'est aussi les gens qui ont inventé les cylindres. Et le saut cylindre, c'est aussi un truc super intéressant. Alors, bah ça c'est joli, c'est des gravures qui sont faites et à partir de ça, on peut l'écraser et faire ben, c'est magnifique, ben, c'est des empreintes, c'est de l'imprimerie, hein, on peut dire. Et ça c'était il y a 5000 ans. Donc avec ça, on fait un truc super compliqué et c'est une manière de faire une signature. Alors actuellement, on a la signature électronique, mais là, ils faisaient des signatures ben, avec des jolies petites impressions sur de l'argile. Et ça permet de fermer l'enveloppe et de dire, ben voilà, c'est moi qui l'ai fermée, c'est personne d'autre. Donc ça valide aussi que ce ne soit pas le transporteur qui ait fait une fausse enveloppe. Il aurait pu aussi, je ne sais pas. Donc quand on fait du HTTPS dans ton navigateur web, c'est sécurisé. Il y a aussi un certificat qui est rajouté pour dire que c'est chiffré, fermé dans une enveloppe, plus rajouté avec ça. Donc c'est super intéressant. Les Sumériens ont déjà tout inventé il y a 5000 ans. Bon, alors avec nos calculs, nos enveloppes, nos moutons, hein, tout ça, ben, c'est la période d'Uruk et de 3300 vers 3000, moins 3000, moins 3300, c'est la fin de la période d'Uruk. Et on a en fait cette organisation autour de la maisonnée. Donc c'est vraiment, ben, en sumérien, c'est juste la lettre E. On va dire le sumérien, c'est une langue où on peut, un peu comme le chinois en fait, on peut ajouter des choses les unes derrière les autres. Et puis il y a un déterminatif qui donne le nom maison. Maison, mais c'est aussi temple. C'est ce fameux déterminatif, quand on le voit ici en image, ça fait des petits clous. C'est une écriture cunéiforme parce que ça ressemble à des clous. Et donc là, ben, c'est toute une liste de maisons qui sont Etemen, Etar, Sassir, Esharka, Esila, Esimo, Edim, machin. Et tout ça, c'est des temples très souvent. En fait, les temples sont des entrepôts. C'est une société sumérienne, donc en fait, on a des entrepôts, des temples. C'est le temple de la déesse machin, du dieu truc. Et puis, les gens sont comme dans une espèce de gigantesque administration. Et on va avoir une organisation globale tout là autour. Et donc, c'est géré par une administration avec des gens qui travaillent pour l'administration et qui sont payés avec un salaire. Ils reçoivent des ressources. C'est comme une entreprise actuellement où on reçoit un salaire, sauf que c'est ben, toute une ville, comme ça. Et Our en chaldée, chez les Chaldéens, ben, c'est aussi dans la Bible, Abraham est parti de Our pour aller dans le pays de la terre promise. Dieu lui a dit, va, prends tout. Il est parti avec son neveu, avec sa femme et toutes ses bêtes, et il est parti de Our. Donc c'était un Sumérien. Et on a l'équivalent qui se retrouve avec l'oïkos grec, avec la domus romaine. Plus tard, on aura encore les abbayes, aussi chrétiennes. C'est tout des systèmes économiques dans lesquels, en fait, on a un domaine agricole
parce que c'est ça qui fait vivre, c'est la terre, c'est le produit de la terre. Et puis, on a une organisation là autour. Alors, on parle aussi d'économie palatiale. Ça, c'est en relation avec le fameux palais de Knossos, la civilisation minoenne. Donc, chez les Minoens, ils étaient en Crète principalement. Et puis, il y a un archéologue qui s'appelle Evans, Arthur Evans, qui a beaucoup, beaucoup étudié, créé beaucoup de choses. Et on se rend compte qu'il a beaucoup brodé. Donc, ça a été découvert il y a une centaine d'années, tout ça, et la civilisation minoenne. Et en fait, on se rend compte de plus en plus qu'elle ne fonctionne pas du tout dans la manière dont on pensait à l'époque. Donc, c'était aussi beaucoup un conseil, une espèce de théocratie avec un conseil de prêtresse. Donc, c'est une théocratie féminine. Et elles organisaient, ces femmes, toute l'économie palatiale et ce fameux palais de Knossos. Il y a une salle du trône, mais maintenant on pense que c'est Evans qui l'a inventé. Il cherchait le roi Minos, mythologique, mais apparemment on ne trouve pas vraiment dans le palais de Knossos cette chose-là. Et dans la fameuse mythologie, on a aussi Dédale qui a créé le fameux labyrinthe pour y mettre le Minotaure. Donc le labyrinthe, c'est aussi une histoire. Ce palais minoen, il ressemble beaucoup à un labyrinthe. Et en fait, c'est beaucoup d'espace de stockage. Donc, c'est toute une économie qui est orientée là autour. Et il semble qu'il y avait des grands festins avec toute la ville, toute la cité. Et la cité, on estime, c'est un peu les mêmes ordres de grandeur que Uruk, c'est entre 25 000 et 50 000 habitants qui viennent autour d'un palais, l'économie palatiale, avec vraiment des endroits à gérer. Et quand ces endroits à gérer deviennent trop grands, souvent ils sont partitionnés. Alors, on a un terme en grec qui est très compliqué, qui s'appelle les amphictyonies. Les amphictyonies, c'est par exemple des clans. Donc, l'organisation clanique, c'est souvent comme ça, c'est une famille élargie, c'est le patriarche. Alors, ces clans, en fait, vont s'organiser pour gérer le temple d'un dieu ou d'une déesse. Et ils font ça par des rotations. Et ils s'amusent, pendant 3 mois de l'année, c'est un clan qui gère que le temple fonctionne. Et pendant les 3 mois suivants, c'est un autre clan qui fonctionne. Et dans le, voilà, et puis avec quatre clans, on peut faire une année comme ça. Alors, c'est souvent des espèces de cités dans des amphictyonies qui fonctionnent comme ça. Et j'ai aussi lu tout dernièrement un autre livre de David Graeber, associé à David Wengrow. Et ces deux archéologues et anthropologues parlent aussi de la cité de Taliankhi, qui est considérée comme étant la plus vieille ville du monde. Qui se trouve en Ukraine actuellement. Donc, c'est ce qu'on appelle des grands, des mégasites paléolithiques, parce que ce n'est pas tout à fait un statut de ville, c'est encore, il n'y a pas vraiment de mots pour définir tout ça. Et c'est une espèce d'énorme enceinte, Taliankhi. Donc, c'était environ 3000, à moins 3800, à moins 3700. Et on voit cette reconstitution de cette grande ville. Et là aussi, on considère qu'il y avait potentiellement 25 à 50 000 habitants, avec un grand cercle vide au milieu. Des espèces de petits fossés de protection autour, mais il semblait assez pacifique quand même, on ne trouve pas vraiment d'armes. Et au milieu des maisons qui sont toutes alignées en cercle, et elles ont l'air de fonctionner justement un peu comme ces amphictyonies, avec un principe très, je dirais, anarchique. Il n'y a pas l'air d'avoir, dans tout ce qu'on a trouvé archéologiquement, de grande de hiérarchie. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas d'endroit, c'est des communautés auto-organisées. Par exemple, la meilleure analogie que je trouve, l'anarchie, c'est un giratoire. J'aime bien lire ça, parce que. Il n'y a pas de feu au milieu qui dirige. C'est vert, c'est rouge, tu passes pas. Mais il y a un système avec des règles. Et ces règles peuvent s'adapter à la taille du carrefour. Si je rajoute une route avec un feu de circulation, c'est vite la gabegie parce que mon feu n'a pas été programmé pour ça. Tandis qu'avec un giratoire, il y a deux règles. C'est que ceux qui sont dedans, ils ont la priorité et le sens de rotation. Et puis je sais que si je veux rentrer, je dois attendre et je retourne, pouf, et je rajoute. Et c'est souple. La nuit, quand il y a moins de monde, ça régule par rapport à la journée quand il y a des bouchons. Et voilà. Donc là, en fait, ces amphictyonies, où c'est des cycles entre plusieurs clans. Et cette ville de Taliankhi, en Ukraine, ça a l'air d'être aussi
des groupes où ils s'entraident avec leurs voisins. Alors c'est un peu comme je dirais, eh ben, vous devez faire une corvée avec vos deux voisins de gauche et puis une autre avec vos voisins de droite. Et puis chacun fait ça. Alors vous devez prendre soin de vos voisins de gauche, prendre soin de vos voisins de droite. Puis quand on se met en cercle, ben, tout le monde va prendre soin de tout le monde. Donc il semble qu'il y a plein de corvées qui sont faites comme ça. Et archéologiquement, ça fonctionne. Et on a encore dans le Pays basque, des villages qui ont fonctionné comme ça jusqu'à assez récemment. Donc on sait que c'est des principes qui fonctionnent, qui existent, avec des espèces de règles pour faire des fonctionnements de la gestion des communs. Donc les biens communs, c'est aussi quelque chose qui revient gentiment à la mode. On y reviendra beaucoup plus loin, notamment avec les bâtons de comptage. Les biens communs, ben il n'y a pas que la propriété privée ou la propriété publique, mais il y a une espèce d'intermédiaire, la propriété d'une communauté qui veut bien en prendre soin, avec des droits et des devoirs. Et probablement que ces gens, ils fonctionnaient un peu comme ça. Donc ça, c'est des choses qui sont assez peu connues, mais qui sont en train de revenir gentiment. Donc ben c'est grâce à des plans géomagnétiques qu'on a découvert ça, et c'est finalement assez récent, si je me souviens bien, là où ça doit être marqué quelque part. Ça a été dans les années 1970 avec des photos infrarouges. Voilà, ça a été découvert, cette ville de Talianki qui se trouve en Ukraine actuellement. Donc là, on a les Minoens, les Sumériens, l'économie palatiale aussi. Ça, c'est Knossos, c'est moins 1700. On a pas mal de choses qui fonctionnent de ce style-là. Donc, vers moins 3300, ben c'est là que ben, nos amis sumériens, ils ont les calculis qui se perfectionnent, qui sont remplacés carrément par des tablettes d'argile qui sont dessinées. Alors, j'avais essayé d'en reconstituer aussi de ces tablettes d'argile. Ça, c'est un reçu pour du chanvre qui a été. C'est une tablette d'enregistrement d'une allocation de bière, donc à moins 3100 à Uruk. Alors j'ai essayé de la reconstituer, cette jolie petite tablette d'argile. C'est assez drôle à faire. Si je vais revoir. Donc là, c'est mes expériences personnelles de fabrication et refabrication de ce genre de tablette d'argile. Je trouve ça assez drôle. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, notamment que les signes sont vraiment faits pour des droitiers. Et puis on comprend comment on imprime. Donc en moins 3200, avec un petit calame, comme on dit. Et j'ai essayé de refaire les signatures, mais ça c'est un peu plus compliqué. Donc effectivement, une bonne signature électronique. Donc voilà, ben, ça c'est les tablettes d'argile. En tout, elles sèchent. Et quand une bibliothèque de tablettes d'argile brûle, elle se conserve beaucoup plus longtemps. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment des infos. Alors ici, par exemple, il y a un cercle, ça représente 10, et des petits enfoncements circulaires, comme ça représente 1, et là on voit que c'est 14, et ici c'est 14. Et là j'ai une jarre qui est dessinée, et là j'ai un épi de blé qui est dessiné avec une jarre. Donc c'est une jarre, peut-être de la bière, on sait qu'ils en faisaient. Enfin, quand il y a une récolte qui tourne, qui fermente avec un peu d'eau, et ça fait de la bière très rapidement, hein. Et puis ici, on a ben, des épis de blé. Et au fil du temps, ben, ça commence à se transformer à ce qui est à droite, là. Quand on voit très bien, on a tendance à écrire. Les gauchers, surtout, ils vont tourner les pages parce qu'on n'arrive pas à lire sinon. Donc ça va avoir tendance à tout retourner. Et là, ben, les signes ont tendance à être écrits de verticalement, horizontalement. Et puis, ben, les épis de blé deviennent des signes horizontaux. On ne reconnaît plus trop l'épi de blé, mais c'en est. Alors avec ça, ben c'est un reçu, ça s'appelle un choubati en sumérien. Il y en a des dizaines et des dizaines. Donc j'avais essayé de retrouver toutes ces tablettes des choubati dans plein de textes. Il y a un PDF là qui en décrit des dizaines et des dizaines. Donc je m'étais amusé à en déchiffrer, à aller regarder ce qui était écrit. Donc c'est assez passionnant de se dire qu'on arrive encore à lire les écrits de gens qui ont vécu il y a des milliers d'années en fait. Et là, ben, c'était pour aller chercher des graines de chanvre aussi, j'en ai trouvé. Alors ils disent, bonjour, je suis allé à tel endroit, j'ai été chercher les graines, je les ai bien reçues, et comme ça on certifie que ça marche, et ensuite ils doivent aller les planter à quelque part.
Et toute cette administration fonctionne comme ça. Donc la plupart des tablettes d'argile sont juste l'administration, des reçus, hein, tous ces tickets qui se passent, et absolument pas de l'écriture. On raconte des histoires. Les histoires sont venues encore bien après. Bon, là, mon PDF il charge très lentement, donc on va passer à autre chose. Donc il y a toutes les références sur ma page, là, mon dossier sur l'histoire de la monnaie et des systèmes économiques sur martouf.ch. Et il se trouve que nos amis égyptiens, en même temps que les Sumériens, ils ont fait à peu près une même histoire, une même évolution. Donc probablement qu'ils avaient des mêmes besoins, peut-être qu'ils avaient des liens, en tout cas c'est avéré qu'à un certain temps ils avaient des liens entre eux, et ça avance. Alors eux, les premiers hiéroglyphes de chiffres, ils sont apparus sur des étiquettes en ivoire. Et c'était justement aussi pour faire des inventaires, pour faire du stock, pour mettre sur des grandes jarres. Donc ça ressemblait à des petites tablettes. Effectivement, j'en ai vu au Caire, au musée Marguette. À Abydos, vers 3150, on trouve ben, des hiéroglyphes. Ça ressemble pas tout à fait aux hiéroglyphes qu'on a l'habitude de voir. On voit avec les oreilles, ça commence à venir, mais il y a vraiment des proto-hiéroglyphes là-dessus. Et c'est vraiment l'invention de l'écriture. Donc on a des histoires similaires à Sumer et à Abydos en Égypte. Donc on considère que c'est une évolution qui est assez logique, qui fonctionne, qui doit être sérieuse. Donc ensuite, bah on a ici, par exemple, en moins de 1900, l'enveloppe est inventée. Une enveloppe d'argile qui entoure un document en argile. Et avec de nouveau ces signatures, avec des stempels, on peut mettre imprimer quelque chose sur l'enveloppe. Donc là, on peut faire de la monnaie scripturale, on peut sécuriser des contrats, on peut utiliser vraiment toutes ces bulles enveloppes. C'est vraiment bien futé, hein. L'argile, c'est pratique. Alors il y en a plusieurs sortes, plusieurs tailles. Alors très souvent, on entend que ben ils sont payés en bière à cette époque. Bon, c'est vrai que ben, on a ces amphictyomies qui sont en train de gérer un temple, et le temple va redistribuer les récoltes qui sont stockées, et en fait ils sont en guillemets salariés. Et la principale ressource qu'ils ont, c'est des ressources agraires. Donc c'est de l'orge, du blé, c'est des ressources des céréales principalement, et c'est ça qui se compte. Et on peut être payé en bière. Alors il faut comprendre que ce n'est pas tout à fait un salaire en bière, mais c'est plutôt une unité de compte. On verra que c'était probablement l'unité de compte plus que vraiment recevoir de la bière. C'est probablement ça à l'origine, mais ça a très vite dérivé des gens. On a observé en Égypte qu'il y avait des gens qui avaient tellement de quantité de bière ou de pain que c'est pas plausible pour une personne d'avoir reçu ça. C'est beaucoup plus que ce qu'on peut consommer. Donc, c'est pas certain que ce soit fait en nature, mais c'était probablement plutôt une unité de compte. Alors, à l'origine, elle est probablement là, mais très rapidement, on voit que ces gens, ils font des écritures. Et les écritures, c'est très pratique. Donc je t'ai donné tant et tu peux les stocker sur ton écriture, sur ton enveloppe d'argile sécurisée, et tu peux les venir les rechercher au temple, un certain nombre de bières, quand on en aura besoin. Mais c'est une unité de compte. Alors, chez nos amis égyptiens, ensuite on passe en moins 2050, donc là c'est très intéressant, on a une stèle borne JE 42787. C'est un scribe qui fait un contrat d'achat pour une maison à Gizeh, donc juste à côté des pyramides, pour un prix de 10 chats, il pouvait acheter une maison. Bon, alors il y avait un moyen de paiement, donc ça vaut 10 chats, mais ensuite, il ne paye pas avec des chats. Ça n'a aucun sens, c'est une unité de compte. Et nous, on a vraiment l'habitude d'avoir fusionné l'unité de compte du moyen de paiement. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'à l'époque, c'était vraiment très séparé. L'unité de compte et l'unité de paiement, le moyen de paiement n'est pas le même. Donc, par exemple, ben, dans ce contrat d'achat, on sait aussi que la personne, elle a payé avec deux tissus qui valaient chacun trois chattes et un lit qui valait quatre chattes. Donc, on additionne ces 3 plus 3, 6 plus 4, 10. Donc, le prix était de 10 chattes, mais en fait, il a payé en donnant deux tissus et un lit. Et ouais. Donc deux tissus et un lit, ça valait une maison, hein, pour l'ordre de grandeur.
Donc ça, c'est une monnaie scripturale. Et effectivement, ben là, on voit bien que autant ben ici, en moins 2500 en Égypte qu'en moins 2900. Donc les époques sont quand même suffisamment similaires hein, sur l'immensité des millénaires. On a des témoignages archéologiques qui nous montrent qu'effectivement, on avait une différence entre l'unité de paiement, l'unité de compte. Et vraiment, la monnaie scripturale, c'est la première monnaie qui existe. Il y a des gens qui nous disent que ben, c'est les pièces et les billets qui sont en premier. Ben, les pièces, non, je suis désolé, c'est arrivé beaucoup plus tard. Alors, c'est des unités qui sont diverses et variées. C'est souvent des unités de poids, des unités de volume. Alors, par exemple, le chat, ben, il a été remplacé un peu plus tard par le dében. Le dében, c'est une unité de poids. Donc, en fait, les premiers empires en fait, garantissaient des poids. Alors le dében, ben justement, il y a un poids de 5 dében, là, qui est en photo. Ben, c'est un poids. Boum. Et souvent, le pouvoir royal, le pouvoir de l'État, c'est lui qui va garantir en mettant son sceau dessus que ce truc-là, il vaut bien 5 dében et pas autre chose. Donc, ça signifie aussi anneau de métal. Le problème, c'est qu'on n'a jamais retrouvé des anneaux de métal. Alors, il y a des gens qui spéculent sur des notions de boucle d'oreille, de quelque chose comme ça. Mais c'est une unité de poids. Donc, on ne sait pas trop pourquoi ça signifie anneau d'ébène, parce qu'on n'a pas d'anneau. Alors, soit ils ont disparu, c'est ce que certains disent, ou alors c'est vraiment qu'une unité virtuelle, une unité de compte, et que très vite ça a disparu parce que les gens n'utilisaient pas ça. Donc, ben voilà, c'est vraiment comprendre que nos ancêtres avaient déjà une façon très abstraite de considérer les choses. Et c'est d'ailleurs ce qui semble être le propre de l'Homo sapiens, pour revenir à ce qu'on avait comme les différents genres homo. L'Homo sapiens, c'est lui qui a un cerveau capable de gérer l'abstrait, de décrire des choses qui n'existent pas, notamment ben, tout ce qui est culture, religion. Alors que les autres genre du Homo, le Homo florensis, l'Homo néandertalis et tout, il semble que ben, eux, ils avaient moins ces capacités-là et qu'ils ont fini par disparaître parce qu'ils n'arrivaient pas à faire des assez grands groupes avec ça. Quand on a justement cette notion de culture commune, on peut avoir une croyance commune, une culture commune et se fédérer autour d'un grand groupe. Et c'est ainsi qu'on arrive à faire une espèce de ciment de notre groupe. Et quand on a un groupe plus grand, ben, on peut taper plus facilement sur l'autre, l'éliminer. Alors que les autres, ben, ils ont des plus petits groupes parce qu'ils arrivent moins à communiquer. Et ils arrivent à communiquer sur des choses très concrètes, manger, boire, dormir et tout ça. Mais ils n'arrivent pas à communiquer sur des croyances communes qui font que on arrive. Alors c'est une des théories qui circule. Hein. C'est très difficile à savoir quelle était la pensée des gens il y a 300 000 ans, hein, ou 70 000 ans ou autre. Donc voilà. Mais c'est vrai que ben, on a des gens qui gèrent super bien l'abstrait. Faut pas croire. Et les Sumériens particulièrement, ils ont vraiment des tablettes d'argile avec des mathématiques de haut niveau, une base 60 qui nous a donné, ben, par exemple, les 60 secondes par minute et les 60 minutes par heure, ainsi que les 12 heures. C'est aussi via les Babyloniens, parce qu'on a 12 phalanges. Si c'est le compter, je fais avec mon pouce, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 phalanges. Et si je veux compter avec mon autre main, ben, je fais une fois 12, deux fois 12, trois fois 12, quatre fois 12, cinq fois 12. Et quand je fais mes 5 doigts fois 12 phalanges, ça fait 60. Et 60, c'est un nombre qui va super bien. 60 fois 60, 3600. On a pas mal de restes de ce genre de base qui traînent comme ça. Ok, alors, tous ces administrateurs chez les Sumériens, ben, ça crée quand même y a des classes. Hein. C'est une société qui est très stratifié en classe. Donc il y a des paysans, il y a des gens qui tout d'un coup ont des problèmes avec des revers de fortune et ils peuvent très facilement vite se retrouver en esclavage pour dette, ce qu'on appelle le péonnage. Quand tout d'un coup ils n'arrivent pas à payer, on leur fait un crédit, mais en échange, gentiment, eh ben, ils sont endettés. Alors d'abord, tu donnes tes enfants, ensuite tu donnes ta femme, ensuite tu te livres toi-même comme étant esclave auprès de l'autre pour qui tu bosses pour rembourser les dettes. Donc ça, c'est une réalité qui existe. Et là, c'est justement là qu'on voit une différence par rapport à l'Égypte, où dans l'Égypte, l'esclavage privé n'existe pas. On n'a pas de traces archéologiques dans
pas de texte, on n'a rien qui nous dit que l'esclavage existe. Bien que dans la Bible soit écrit que les Hébreux étaient esclaves. Alors là, il y a plusieurs théories qui existent. C'est notamment pendant les périodes intermédiaires où c'est plus vraiment des Égyptiens, mais c'est notamment les Hyksos, qui sont une association de plusieurs peuples, dont probablement les Hébreux, avec le fameux Joseph qui a fait devenir un roi. Ce sont des gens qui sont rois d'Égypte, mais qui ne sont pas Égyptiens. Et à ce moment-là, il y a eu des notions d'esclavage. Et probablement aussi que pendant le règne d'Akhenaton, il y a eu de l'esclavage aussi pour construire la nouvelle capitale. Mais là, tout le reste de l'histoire, sur 3 000 ans d'histoire, il n'y a pas de trace d'esclavage. L'esclavage privé n'existait pas. Donc c'est l'État qui est un énorme État communiste, on pourrait dire, hein. Donc c'est l'économie palatiale et on n'a pas besoin d'esclaves, mais en même temps, il y a des gens qui sont un peu corvéables, on pourrait dire. Donc est-ce que c'est de l'esclavage ou pas? C'est difficile à dire, hein. Mais en tout cas, c'est très différent de la version sumérienne où l'esclavage pour dette existe entre des relations, donc on fait un contrat entre deux personnes, tandis que là, bah, c'était plutôt en Égypte, c'est l'État. Et c'est là que c'est intéressant. Alors, selon les anthropologues comme David Graeber ou James C. Scott, qui sont dits d'être des anthropologues de type anarchiste un peu, il y a des gens qui fuient l'esclavage et ils partent dans le désert. Donc, on a toujours, à cette époque-là, il n'y avait pas des États partout, donc on a toujours possibilité de fuir ailleurs. Ce qui est devenu très compliqué de nos jours, hein, à part partir sur une autre planète, hein, c'est un peu compliqué. Là, on est vite coincé. Si on fuit un État, on arrive dans un autre. Et à ce moment-là, bah, ça va être vite compliqué. Donc, les gens, à l'époque, ils pouvaient fuir et on avait peur de ces grands groupes dans le désert qui devenaient une espèce de horde, de tribus, et qui pouvaient faire des razzias. Donc, il y a un proverbe berbère qui manifeste ça, qui résume vraiment, c'est les razzias sont notre agriculture. Donc, il y a des agriculteurs qui, eux, élèvent des animaux, élèvent du blé, et ils font la moisson du blé, et ils vont tuer les animaux. Et il y a les nomades qui, eux, font mûrir des villages, et quand le village est mûr, ils font une razzia. C'est ça, les razzias sont notre agriculture. Alors, il y a toujours une relation amour-haine entre les nomades et les sédentaires. Et ça se passe sur des millénaires, hein, tout ça. Il y a un très bon livre, Homo Domesticus, de James C. Scott, qui explique super bien tout ça. Donc on y reviendra après dans le détail, là. Je raconte déjà beaucoup de choses dans juste la chronologie, en fait. Donc c'est un problème quand il y a des nomades. Et pour ça que la Grande Muraille de Chine, on peut toujours se poser la question, dans quel sens elle a été construite? Pour empêcher les gens d'entrer, les méchants nomades mongols qui viennent envahir la Chine, ou on pourrait empêcher les gens de sortir et d'aller rejoindre les nomades qui apparemment vivaient mieux parce qu'ils recevaient des tribus, ils recevaient une partie des recettes pour éviter de se faire attaquer. Donc c'est tout bénef. Et là, on aura la notion très importante de jubilé qui émerge. Ça, c'est la solution qui a été pratiquée pour éviter d'avoir ces gens pour esclavage, pour dette, qui s'enfuient dans le désert, qui forment des groupes de pillards, qui reviennent. Alors par exemple, c'est le roi de Lagash, un roi sumérien, en 1450, en moins 1450, hein, ça fait quand même assez vieux, ce monsieur qui était à Lagash, En-Metena, et il s'est dit, faut que je trouve une solution. Alors il dit, on va annuler toutes les dettes, comme ça les gens ils peuvent revenir, on fait une amnistie globale. Et c'est un mot sumérien qui veut dire Ama Arji. Ama, c'est la maman, c'est la mère. Et Ji, ben, c'est un retour à la mère, retour à l'origine. Il y a des gens qui traduisent ça par liberté. C'est la liberté, effectivement, parce qu'on libère tous les esclaves. En fait, c'est le retour à la mère, le retour à cet état où chacun rentre dans son clan. Dans le Lévitique 25, des chapitres 8 à 22, dans la Bible, on nous parle du jubilé. Et c'est exactement ça. Et quand on sait qu'Abraham vient de Ur et que c'est un Sumérien, bah effectivement, ça paraît clair qu'ils ont exactement les mêmes principes.
Donc là, dans la Bible, c'est bien marqué que chacun retourne dans son clan. Donc on retrouve cette notion de clan agrégé qui forme une ville. À Athènes aussi, il y avait plein de clans qui formaient la fameuse démocratie athénienne. Donc on a un petit rééquilibrage comme ça qui se fait. Et par exemple, on devait bien écrire quelque part, annoncer cette bonne nouvelle à tous ces gens, vous pouvez revenir. Donc tous les 7 fois 7 ans, c'est ce qui est marqué dans la Bible, on faisait le jubilé. Donc tous les 2 générations, tous les 49 ans, là, pouf, on annule toute forme de dette. Alors nous, on l'a fait depuis quand, la dernière fois qu'on a annulé toutes les dettes, hein? Peut-être qu'on va peut-être un petit jubilé là prochainement, hein, parce que là, des milliards et des centaines de millions de milliards qui s'accumulent. Pas très clair tout ça. Donc ce n'est pas un geste altruiste d'annuler les dettes, c'est vraiment une fonction de régulation pour que le roi reste roi, sinon il y a les pillards qui arrivent et ils massacrent sa ville quand ils sont trop. Donc on rééquilibre. Et ça, c'est une notion qui va être intéressante, qu'on va reprendre dans l'étude de tout ça. Là, j'avais dit aussi que c'était écrit, par exemple, la pierre de Rosette que Champollion a étudiée pour traduire les hiéroglyphes. C'est écrit en plusieurs langues dessus, et c'est justement une de ces grandes tables qui annonçait une annulation de dette. Intéressant, hein? On en parle souvent, mais on ne dit jamais ce qui est écrit dessus. Moins 2300. On avance, on avance. On n'a pas besoin d'essence. Alors on va tout bientôt s'arrêter, parce qu'on aura bientôt. Il y a des milliers d'années. Alors ici, on est en moins 2000, moins 2300. Il y a des traces de contrats chez les Sumériens, des unités de compte en sicles. Les sicles, c'est devenu le shekel, qui est toujours utilisé, c'est la monnaie toujours d'Israël, le shekel. Donc ça tient toujours, hein. C'est assez drôle. Il y a 2 unités de compte en Mésopotamie, c'est l'argent et le grain d'orge. Alors c'est des shé et des djin. Ça signifie peser, ou la mine, qui signifie compter. Et on a des unités de volume. Et les silla et les gour. Alors peut-être que ça ne te dit pas grand-chose comme ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on va utiliser des grains et de l'argent. Donc on a déjà des métaux et des consommables. Donc on a 2 types de monnaie, une durable pour faire des échanges loin, avec des Égyptiens par exemple, et les grains pour faire une monnaie locale d'échange périssable, une monnaie fondante, parce que les rats, ils la mangent, parce que ça pourrit. Et c'est avec des volumes et des poids qu'on va utiliser pour faire des unités de compte. Et les contrats sumériens sont faits comme ça, en moins 2300. En moins 2000, on est en Égypte, dans la période du Moyen-Empire. Et puis, on a toujours le débène comme unité de poids de mesure. Et on a toujours cet étalon de poids. Et là, le pharaon, il met effectivement son cartouche dessus. Puis un débène, à l'époque, ça valait 91 grammes. Il y avait plusieurs sortes d'ébène. Mais après, justement, c'est encore mieux que chez les Sumériens, c'est vachement bien précis. On a toute une hiérarchie des moyens de paiement après avoir mis les unités de mesure. Donc, on a 4 types de marchandises. L'argent, ça se mange, ou presque, qui permettent de faire des moyens de paiement. Alors, d'abord, c'est les métaux, or, argent, cuivre. Là, ça ne se mange pas, mais ça se garde longtemps. C'est pour thésauriser, pour faire cette fonction où on doit garder de la valeur. Ou pour échanger avec des gens loin. Donc entre les Sumériens et les Égyptiens, ils ont échangé. Et ensuite, il y a des étoffes. On a vu qu'il avait payé une maison avec des tissus. C'est très précieux les tissus. Non, on a des t-shirts à 10 balles, on sait même plus ce que c'est. Des étoffes, du lin principalement. Et ça permettait de payer en quantité de tissus. Des céréales, principalement l'orge, le blé, mais aussi tous les dérivés. Le pain et la bière, c'est aussi des céréales. Peut aussi considérer, je te donne un volume de bière, un volume de pain, et ensuite de l'huile. Donc, chez les Égyptiens, c'est très clair. Il y a les métaux, les étoffes, les céréales et l'huile. C'est comme ça qu'on va établir une échelle de mesure et ensuite établir le paiement. Il faut vraiment toujours se rappeler qu'il y a les moyens d'évaluer l'unité de compte et ensuite la rémunération, le paiement qui se fait. Donc, c'est vraiment la monnaie scripturale. Alors là, on a des papyrus comme nous avons Reisner 1 et Berlin 10005, qui nous montrent vraiment des extrêmes dans les salaires. Alors, il y a un type, un militaire, qui était en expédition lointaine pendant 3 mois, qui lui a reçu
21 kilos de pain par jour. 21 kilos de pain, il ne va pas les manger. Et surtout, il n'est même pas sur place, il est en expédition militaire plus loin. Et un autre, dans un temple, qui lui reçoit un 18e de pain par jour. Avec ça, c'est quelques miettes, il n'a même pas de quoi manger. Donc a priori, il mangeait plutôt ce qu'on lui fournissait dans le temple. Et ces 21 kilos de pain, ben voilà, c'est une personne qui prend beaucoup de risques en expédition, mais on n'a pas de quoi les lui livrer tous les jours, et il ne va pas les manger tous les jours. Mais ben, c'est une personne qui est bien payée et une autre qui est moins bien payée. Et avec ça, on voit des différences, et c'est concrètement ces unités de pain, ce n'est pas de la monnaie en nature, ils n'étaient pas payés en pain, en bière, comme souvent les médias nous disent, mais c'était vraiment une unité de compte. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, c'est ce que j'ai déjà évoqué un peu plus loin. Donc, ben, le gars, il fait une expédition militaire pendant 3 mois, mais après, il a de quoi à manger pour tout lui et sa famille et toute sa maisonnée pendant plusieurs jours. Donc, on avance, on avance. On a le code d'Hammurabi en moins 1750 qui est très connu. Le code d'Hammurabi, c'est ce qu'on considère souvent comme étant les premières lois bien écrites. Donc, c'est plus de l'arbitraire. Donc, là, il y a notamment des salaires minimaux dans quelques professions, hein. Donc on parle de salaire minimum, c'est pas nous, hein, moins 1750. Et là, il met en unité de compte de poids d'argent, de volume de grains et tout. Et en plus que ça, dans le péonnage, il disait que l'esclavage pour dette, il était limité à 3 ans, on n'avait pas le droit de faire plus. Alors, c'est cette fameuse grande stèle, le code d'Hammurabi, c'est écrit dessus, en sumérien, hein, c'est des tout petits caractères. Ouais, c'est de l'acadien plutôt, parce qu'à l'époque, ça avait déjà changé. Et si on fait un petit tour autour du monde, et on va bientôt s'arrêter, c'est la fin des grands empires. Alors il y a la dynastie Shang. J'ai aussi été voir du côté de la Chine, c'est très intéressant et souvent on en parle très peu. La dynastie Shang de moins 1600 à moins 1040 et la dynastie Chou de moins 800 à moins 300. Ils avaient aussi des céréales et du tissu, mais en plus ils avaient rajouté des kauris. Les kauris comme monnaie, c'est des petits coquillages qu'on voit là. Des petites coquillages qu'on trouve à certains endroits dans le monde, mais pas partout. Il paraît qu'il y en a qui sont encore occasionnellement utilisés. On verra que dans certaines îles, j'ai effectivement trouvé un endroit où c'est utilisé, par exemple, pour acheter du crédit de téléphone. Mais pas trop en Afrique, en fait. Il y a le peuple des Tolai, là où ils l'utilisent, c'est le tabou. Et ils ont quand même quelques problèmes, c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, il y a des petites photos de gens qui se baladent avec des sacs de kauris en Afrique. Mais ben, ils font des grands colis avec. Ils payent principalement tout ce qui est mariage, initiation, funérailles, tous des grands actes de la vie. Alors, c'est là qu'il y a certains anthropologues qui disent que c'est une monnaie. C'est pas vraiment une monnaie comme on l'entend maintenant, mais c'est une monnaie pour payer ce qu'on ne peut pas payer. C'est un symbole. Par exemple, il y a des anthropologues qui étaient choqués de voir qu'on pouvait acheter des femmes. Et quand on a compris bien plus tard, en fait, ils n'achetaient pas des femmes, mais ils remerciaient en offrant quelque chose d'une marque pour dire que ben, c'était inestimable, mais que je te donne quand même quelque chose en échange. Enfin, ce n'est pas dans notre culture, donc c'est difficile à comprendre. Il y a différents styles de monnaie, et ce n'est pas du tout une monnaie comme on l'entend souvent dans notre acceptation de la monnaie, en fait. Bon, alors actuellement, ben, sur le Papouasie-Nouvelle-Guinée, le peuple Tolai, alors eux, ben, comme il y en a de moins en moins, ils sont obligés d'aller importer des containers des îles Salomon pour faire venir ces petits coquillages kauris. Et là, on voit qu'on dérive déjà sur la monnaie jeton. Et ça, c'est en Chine. Alors, on est toujours en Égypte. Après le Moyen-Empire, il y a le Nouvel-Empire. Alors là, il y a le Deben qui est réévalué. Et entre deux, il y a des périodes avec les Hyksos qui de nouveau envahissent l'Égypte ou une partie de l'Égypte. Et puis, ben, il se passe des choses un peu différentes. Et ce fameux d'ébène, ben là, on dit qu'un d'ébène d'argent égale un demi d'ébène d'or. Et ça, c'est une espèce de réévaluation en fonction de ce qui était utilisé à Babylone, donc les successeurs des Sumériens. Babylone, eh ben, c'est là où justement Alexandre le Grand va aller là-bas aussi plus tard, avec un nouveau style de monnaie qui va changer le monde. Donc, ce sera l'épisode suivant. Mais là, on voit bien qu'il y avait concrètement des vrais échanges réguliers entre les Égyptiens et les Sumériens devenus babyloniens, qui avaient toujours ben,
une écriture assez similaire, mais un peu évoluée. Et là, on a quand même des grands auteurs, plein de choses, toute une culture. Babylone, qui veut dire Bab, la porte des dieux, Babylone. Et en Égypte, on retourne en moins 750 à moins 3300, c'est bientôt la fin de l'échange. On a des lingots qui circulent vraiment, vraiment. Et là, en fait, on retrouve, ils circulent, mais seulement que les temples, hein, quand c'est à grande distance. Alors là, il y a des temples comme Aras, Fès, à Thèbes et Ptah à Memphis, où là, c'était carrément des fonderies. Ils faisaient des masques, ils faisaient des choses pour stocker l'or, mais les stocker dans des temples. Donc c'est vraiment le même principe que chez les Sumériens dont on parlait avant. Le temple sert à stocker des choses, c'est un entrepôt. Donc on stocke de l'or aussi à l'époque. Et en Égypte, c'est très intéressant parce que l'or est considéré comme étant la chair des dieux. C'est la lumière, c'est l'or. Et en Égypte, il y a de l'or, mais il n'y a pas d'argent. Alors que chez les Sumériens, c'est le contraire. Ben, ils n'ont pas d'or, mais ils ont de l'argent. Donc les échelles ne sont pas exactement les mêmes. C'est aussi pour ça que ben, ils utilisent plutôt de l'argent pour échanger entre eux. Et les Égyptiens, ben, ils doivent aller chercher de l'argent qu'ils n'ont pas, parce qu'ils ont de l'or. Voilà. Donc ici, on a fait la grande histoire de la chronologie des débuts jusqu'à l'origine de l'humanité, jusqu'à ben, il y a des milliers d'années. Version anthropologue. On verra dans le prochain épisode, il y a des milliers d'années, version économiste. Parce que oui, il y a deux versions sur lesquelles les bouquins vous allez lire. Donc on va parler de troc, on va parler de pièces de monnaie. C'est la Banque nationale suisse qui va nous expliquer des choses. Et on va y revenir. Et on va parler de ce fameux Crésus, l'astuce de Crésus. Là, on saura vraiment de quoi on parle. Voilà. Alors, je te laisse avec tout ça. Médite bien, tu peux relire la page. Et puis, à bientôt pour la suite de cet épisode. Ciao, ciao!